j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver et c'est une vidéo un petit peu particulière puisque ce n'est pas vraiment le style de vidéo que je vous fais habituellement. Alors je fais parfois des vidéos mode, mais là j'ai découvert un concept, le dressing illimité. Est-ce que vous connaissez? Non? Vous savez, il existe des sortes d'abonnements, de box avec de la mode, des vêtements que vous recevez. Si vous voulez, vous voulez les garder, vous pouvez. Et puis si vous ne les voulez pas, vous les renvoyez. Bien là, c'est un concept un petit peu similaire, mais en même temps assez différent. Je vous explique. Ça s'appelle le closet ou le closet. Je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment la prononciation, mais le closet. Et c'est louer, porter et recommencer. Si vous n'avez pas envie d'avoir une garde-robe hyper grande avec plein de choses et que vous voulez juste voilà, mettre certaines sélections pour une semaine, un mois ou plus, eh bien vous pouvez choisir cette option-là et recevoir des vêtements dans votre style que vous aurez un petit peu entre guillemets mis dans vos favoris, que vous recevez, vous pouvez mettre et puis après vous les renvoyez. Et voilà, vous en recevez d'autres à chaque moment, à chaque saison, selon vos envies, selon vos critères. Et j'ai trouvé le concept assez intéressant. Alors moi, j'ai jamais testé les box comme ça, où on vous envoie des vêtements que vous n'avez pas forcément sélectionnés. Alors moi, j'ai fait une sorte de sélection, mais vous ne savez pas exactement ce que vous allez recevoir. J'ai jamais fait ce style de truc là et du coup bah c'est l'occasion aujourd'hui de tester avec vous et de vous dire vraiment mon avis sincère comme d'hab. Donc j'ai reçu cette box gratuitement, j'ai sélectionné les vêtements et dans un mois je vais renvoyer les vêtements. Donc je vais vraiment tester comme une cliente lambda. Et j'ai quand même une info importante, si vraiment le concept vous plaît et que vous vous dites « Ah, pourquoi pas tester ?» Il y a quand même 50% de réduction sur le lancement. Donc n'hésitez pas, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, mais vous avez 50% de réduction. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que dans votre sélection, vous pouvez choisir donc des vêtements, mais aussi des accessoires. Et ça, c'est pas négligeable, c'est-à-dire ceinture, sac à main, tout ça, c'est possible sur le site internet Le Closet. Vous avez sur ce site plus de 1000 pièces, répertoriées, voilà, cherchez le mot, avec des marques très connues comme Levi's, Make My Lemonade. Moi, j'avais repéré des marques un peu grande taille aussi, je ne sais plus exactement les noms, mais je pense qu'on en retrouvera dans la box. Donc, on va pouvoir voir ça. Et puis, vous pouvez, comme je vous disais, conserver une semaine, un mois, les mettre. Hein, comme vous voulez, hein, et les renvoyer après au bout d'un certain temps quand vous avez sélectionné ça dans votre abonnement. Donc en plus c'est dans une box réutilisable, vous avez juste à glisser ici, en fait il y a une petite, là il y a mon adresse, mais vous avez un petit bon à coller, à glisser dedans, et enfin à coller dessus pardon, et vous pouvez renvoyer après les vêtements comme ça, paf paf, c'est assez nickel. Donc là j'ai reçu logiquement 4 pièces, donc je ne sais pas s'il y a des vêtements et des accessoires, je crois qu'il y a plus de vêtements que je crois pas avoir fait de sélection d'accessoires, je me souviens plus. Et en mode là pour l'automne qui est là, j'avais fait des petites sélections de petites choses qui me faisaient envie. Donc on va voir ça ensemble et à chaque fois à l'intérieur il y a à peu près pour 300€ de produits ou d'accessoires. Donc ce qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que vous pouvez les porter ces 300€ de produits et accessoires pendant un mois et après les renvoyer. Donc c'est pas mal, c'est personnalisé, c'est vous les portez comme vous voulez, donc vous pouvez les laver évidemment. Et puis on recommence, donc c'est une sorte de, vous savez, un peu vintage à l'infini. C'est assez sympa dans l'idée, mais c'est une sorte d'abonnement que vous payez du coup tous les mois et vous avez 50% de réduction comme je vous le disais. Donc le prix de cette box est de 60€ par mois. Évidemment là, si vous avez les moins 50% de réduction, ça vaut grave le coup. Vous les mettez et puis en fait ça vous évite tout simplement d'acheter des vêtements pendant tous les mois de l'année et de recevoir à chaque fois des nouvelles sélections. Et comme je vous l'ai dit, vous avez déjà présélectionné avant pour pouvoir ne pas être déçu de ce que vous allez recevoir, c'est-à-dire des choses logiquement qui vont vous aller. Il y a vraiment pas mal de tailles et ça va donc jusqu'au 4-5 XL je crois, j'ai vu pas mal de grandes tailles. J'espère juste que moi j'ai choisi ma taille parce que comme c'est des marques que je ne connais pas forcément, bah, je ne sais pas vraiment la taille qu'il fallait que je sélectionne. Bref, voilà comment c'est présenté. Donc là, vous avez le bordereau scellé. Donc là, c'est mon bordereau pour le retour. Donc c'est vraiment bien fait. Comment effectuer mon retour? Bah, y a un QR code pour tout expliquer. C'est vraiment bien fait. Dans l'idée, je trouve ça très intéressant. Et tout est empaqueté. Et je vois qu'il y a une petite veste rose. J'avais mis dans ma sélection un petit tailleur blazer beige que je voulais absolument, mais je crois qu'il n'y est pas. Un blazer rose, vous avez vu que je suis un peu folie blazer en ce moment. Et je ne sais plus ce que j'ai mis d'autre. Donc on va ouvrir ça. Le closet, la communauté engagée, il y a écrit. Et c'est vrai que dans l'idée,
c'est quand même vraiment plutôt écolo. Donc, ils ont été évidemment, je pense, très bien nettoyés et ils sont comme neufs hein, quand on les reçoit. Et alors là, oh, je ne le voyais pas si grand. Donc c'est, oh là, ouais, bah, je crois que les tailles, pourtant c'est taille 48, mais ça m'a l'air super grand. Donc j'ai pris une petite, vous savez, sur une autre vidéo, je vous ai montré des petits blazers comme ça, mais ils étaient trop grands, trop, pas top quali. Du coup, je les ai donnés et là, bah, je vais pouvoir tester celui-ci. Donc évidemment, je vous ferai des petits essais pour vous montrer un peu le rendu sur moi. Mais elle m'a l'air quand même super grande. La couleur, en revanche, j'adore. Je pense que ça peut faire ressortir un peu le teint, rehausser le teint. La qualité est très bien. Et c'est alors de la marque, je ne sais pas, parce que c'est... Alors, je peux pas vous dire, regardez, il y a une étiquette dessus qui est bien collée. Donc, je n'ai pas la marque, mais en tout cas, c'est la taille 48. Donc, logiquement, c'est ma marque. C'est ma taille, pardon. Je vais regarder quand même dans l'autre étiquette s'il y a un nom de marque. Only Karma Kona. Koma, pardon. Cartea Blazer OTW. Donc je ne connais pas cette marque. Mais écoutez, en tout cas, ils font des grandes tailles et la qualité est là. On sent que c'est un peu comme Grand Malice, vous voyez. Il y a des poches qui sont des fausses poches, évidemment. Ouais, elle est vraiment sympa. Elle est doublée en plus à l'intérieur. Très jolie à l'intérieur. J'aime bien pour l'instant, mais on teste évidemment tout ça après. Ah, il y a une petite robe noire qui est un petit peu courte quand même, mais avec un collant noir, ça peut être sympa. J'aime bien le haut de la robe, regardez. Hop, il est un peu en V là. Il est pas mal. Pareil, je ne vois pas la marque, mais c'est un 46-48, donc ça me paraît pas mal. Avec une ceinture. La qualité est épaisse. Alors, c'est manche courte quand même, hein. Mais vous savez, c'est une matière très épaisse, très quali, qui va tenir chaud. Donc si vous mettez ça avec un collant et une petite veste, ça peut être très joli. C'est la marque Cafe, K-A-F-F-E Curve. Donc une marque grande taille, je ne connais pas. Et vraiment très bonne qualité. Donc je pense qu'on va pouvoir faire un petit look sympa, même associant la robe et la veste, pourquoi pas, à voir. Ah, on a une autre veste qui est super lourde, mais elle me paraît grande. C'est moi ou les vêtements ont l'air grands? Donc là, pareil, c'est un 46. C'est une veste un peu verte. Elle est très belle. Légèrement serpentard, mais pas trop serpentard. Pas autant entre le vert serpentard et le kaki, vous voyez. Je sais pas. Elle est très jolie, elle est un peu plus raffinée à ce niveau-là. Et on a, encore une fois, cet effet un peu fausse poche. Un bouton ici. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La marque, c'est Zizi. Donc, voilà, je ne connaissais pas. Et c'est un blazer qui est, encore une fois, de très bonne qualité. Honnêtement, s'ils ont été portés, ça se voit pas. Ça sent rien de spécial, comme les produits. Alors, ça sent pas, vous savez, les trucs un peu avec une odeur particulière. Ça sent nickel. On sent que c'est propre, mais je suis assez bluffée. Je n'ai que 3 articles. Je suis un petit peu... j'avais mis dans ma sélection des pantalons que j'avais bien envie de tester. Donc je suis un petit peu déçue, j'aurais aimé avoir un pantalon. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la sélection du jour. Donc on va tester la tenue avec mes vêtements là. Je vais enlever juste mon pull et je vais tester ça avec vous pour voir un peu le rendu. Et évidemment, j'ai un pantalon noir en dessous. Donc on fera plusieurs tests pour voir ce que ça donne. Pour voir le résultat et on fait le bilan. Je viens de mettre la petite veste, j'aime beaucoup 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 la couleur, vraiment je la trouve canon. Donc avec un petit débardeur noir, c'est pas ce que je mettrais en dessous, hein. Je mettrais plutôt un t-shirt un peu plus long, mais ça passe. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve qu'elle tombe très très bien. Regardez-moi au niveau des manches, elle est nickel. On a une espèce de petit pli là, qui est bizarre. Mais bon, ça se voit pas spécialement, vous voyez. Sinon, elle tombe bien. Donc au niveau des manches, elle est plutôt longue, ça c'est cool. On peut attacher le bouton, ça serre un tout petit peu, mais ça choque pas. Mais moi, je pense que je vais la porter plutôt ouverte. Et elle tombe bien, elle cache super bien. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la qualité de du blazer, de la veste. Elle a des petites épaulettes, mais ça choque pas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre un peu le résultat comme ça. Vous voyez, il y a des petites épaulettes, c'est vraiment plutôt cool, plutôt sympa, elle est très belle. Donc ça, je vais la mettre sans problème, j'aime énormément le style, le rendu, la couleur, la forme. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais testé auparavant dans mon autre vidéo. Au niveau de la qualité, elle est très 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 belle. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais vraiment j'adore. Voilà, j'ai reculé un petit peu pour que vous voyez où est-ce qu'elle arrive la veste. Hein. Donc elle arrive vraiment en dessous mes fesses. Là, je suis tout en noir en dessous et ça... Clac. On essaye la verte là comme ça.
La matière est un peu moins agréable, mais elle est pas mal du tout aussi, hein, c'est juste différent, c'est plus froid, vous voyez. Là, pareil, ça tombe bien au niveau des manches, on voit que c'est quand même de la matière élastique, vous voyez, c'est super élastique, mais en même temps très quali. Encore une fois, bah voilà, la taille est pas mal. Je suis un peu moins fan finalement de la couleur, ça fait un peu plus traditionnel. Si on ferme, bah voilà, ça fait un peu moins beau, hein. Je sais pas, peut-être avec du blanc en dessous, je ne sais pas, peut-être que ça fera un peu mieux. En tout cas, vraiment, la rose, j'ai vraiment beaucoup plus un coup de cœur pour la rose que celle-ci. Mais pourquoi pas, parce qu'avec un make-up vert et tout, elle peut être très belle. En tout cas, la forme est nickel aussi. Donc moi qui voulais des blazers, c'est bon. Je suis trop contente. D'ailleurs, j'en ai vu un blazer violet que je pense que je craquerai prochainement dessus aussi, qui me faisait très envie. Le haut de la petite robe, là, j'aime beaucoup, regardez. Ça arrive ici, ça épouse bien le bras. Moi qui n'aime pas trop mes bras, regardez, ça les gaine un petit peu. J'aime beaucoup le haut. Je me dis qu'avec une ceinture ici, ça peut être très joli. En revanche, c'est une robe. C'est pas vraiment une robe, hein. C'est plutôt un haut noir, parce que ça arrive pile poil sous mes fesses. Et si je me baisse comme là, et ben en fait, c'est remonte au-dessus de mes fesses. Donc c'est pas du tout une robe, en fait, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. C'est plutôt un haut noir que vous pouvez mettre avec un pantalon ou une ceinture, voilà, pour agrémenter, par exemple une petite ceinture rose ou quelque chose comme ça, une ceinture dorée aussi, ça peut être très joli. J'aime beaucoup aussi, encore une fois, le haut, il est simple, mais il est, voilà, ce petit col là, regardez, il va très bien avec mon collier, ce petit col est très sympa, très, voilà, ça va bien pour l'automne, comme ça, la mi-saison, avec une veste par-dessus, ça va être parfait. J'aime beaucoup les manches, je vous jure que la texture du vêtement est d'une qualité top. Je vais donc essayer avec ma petite veste rose, voilà, les deux coups de cœur là. Écoutez, bah voilà, je suis partie pour la journée, hein. C'est super classe, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous allez en penser, je sais pas si vous allez voir. Donc là, il arrive ici le haut noir, hein, qui fait un peu robe en fait. Et au niveau, bah, il arrive au même niveau que mon blazer. Donc voilà. Je suis prête, je vais rester comme ça, je crois. Parce que vraiment, j'adore. C'est mes deux petits coups de cœur. J'aurais aimé avoir un petit pantalon noir ou quelque chose comme ça pour vraiment la touche finale de cette box. Mais là, je suis vraiment conquise. Bon, vous l'avez compris, j'ai gardé du coup la tenue que j'ai complètement adorée. Cette veste, je l'aime un peu moins, mais je vais l'utiliser. Moi, je peux l'utiliser aussi pendant un mois, comme vous, hein. Et après, je vais devoir renvoyer les produits. Le seul petit hic à ce concept que j'aime beaucoup, c'est que si vous avez une... Alors peut-être que c'est possible, j'ai pas tout à fait enregistré toutes les informations, mais vous voyez par exemple cette veste, si vraiment je l'adore et que j'ai envie de la garder pour plus longtemps, et je serais déçue de la renvoyer, vous voyez. Donc peut-être que vous pouvez racheter certains produits, certains articles qui vous plaisent vraiment à plus petit prix. Peut-être que c'est possible, il faut tout simplement que je regarde précisément sur le site. Ah, après vérification, je viens de comprendre, si tu craques sur une pièce, tu peux l'acheter à un tarif préférentiel, et ça, je suis trop contente de le voir. Donc je vais filer voir ça sur leur site. Mais vraiment, j'aime trop l'ensemble, j'aime trop la veste. Vous me direz ce que vous en pensez vous aussi, si vous trouvez que le concept est très intéressant. Et je vous ai pas précisé, mais dans la box mensuelle, donc vous avez le fameux code de moins 50% qui est du coup, maintenant je l'ai sous les yeux, ton closet est 50. Donc je vous mettrai de toute façon ici et dans la barre d'infos. Mais alors sachez que dans le prix de votre box, vous avez donc l'envoi des articles, vous avez l'envoi, donc les frais de port qui sont compris dans le prix, et le pressing. Parce que oui, quand vous renverrez les vêtements, ils seront passés au pressing, vous ne payez pas. Donc c'est vraiment un concept intéressant. Finalement, on voit qu'il était plutôt sceptique par cette idée de box. J'aime bien. Donc, et puis comme ça, quand vous avez des vrais gros coups de cœur, eh ben, vous pouvez les acheter. Et puis finalement, au bout de plusieurs utilisations, au bout d'un mois, vous dites, oh, non, finalement, par exemple, là, le haut, bah, j'aime moins parce que c'est l'hiver, j'en aurais pas besoin. Et puis après, bah, je vais peut-être pas le remettre l'année prochaine. Bah, je le renvoie. Et sans complexe, je trouve l'idée canon. Ouais. Je pensais pas aimer. Et s'il y a des vêtements que vous aimez un petit peu moins, donc par exemple celle-ci j'aime un petit peu moins, je vais quand même la mettre. Ça se trouve je vais avoir un gros coup de cœur et puis après je vais me dire, ah ouais, en fait j'aime bien, que ça change. Et puis ça se trouve, bah, je vais me dire, ah bah non, et puis je peux la renvoyer. En fait, il y a cette idée que parfois on achète des vêtements, est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé d'acheter des vêtements et que bah, vous vous dites, bah non, en fait je l'ai acheté mais je l'aime pas, je trouve que ça me va pas, c'est trop court, c'est trop ceci, c'est trop cela. Et que finalement avec le temps, bah ça...
ça ne vous plaît pas. Donc vous me direz si ça vous arrive, mais finalement, je pensais être sceptique par cette ouverture de box, donc c'est une petite vidéo, hein, mais je pensais être sceptique et j'aime bien l'idée. Donc je suis vraiment très contente que la marque m'ait envoyé cette box gratuitement pour tenter, tester, me faire un avis, vous en parler aussi. Je ne suis pas payée comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment juste une collaboration pour tester. Et puis bah, je vais pouvoir mettre ma petite veste, j'aime trop. Alors en plus je trouve que ça fait un peu classe mais pas trop, ça fait... ouais j'aime bien vraiment. Très contente de ces trois articles. Vous me direz ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires, je vous attends là-bas. Mais je suis trop fan. Sur ce, je vous laisse interagir avec moi dans les commentaires, me dire vos avis. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner. Si vous voulez revoir ce style de vidéo d'ailleurs, peut-être que je m'abonnerai finalement à cette box pour pouvoir avoir des articles comme ça sympas et ne pas m'engager sur le long terme, pourquoi pas. Donc dites-moi si ça vous plaît et pourquoi pas en refaire plusieurs fois à d'autres moments et vous reproposer des petites box comme ça. Pourquoi pas, hein. Soyons ouverts. En tout cas, ça va me faire réfléchir sur cette culture de l'achat parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tracasse, hein, vous le savez. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle et à chaque fois, j'arrivais pas à prendre de décision sur le côté écologique des vêtements, acheter un petit peu plus quali et un peu moins quantité des choses que je vais donner à chaque fois parce que finalement, ça me plaît pas. Du coup, ça me fait réfléchir. Donc, je trouve ça plutôt intéressant comme concept. Et puis le fait que ça me fasse réfléchir, c'est plutôt intéressant. Sur ce, je vous tiendrai au courant de ma décision si vraiment je passe un petit peu vers ce côté-là plus écolo et que j'arrête d'autres styles de vidéos, pourquoi pas. En tout cas, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Salut !